Eh bien, salut YouTube, c'est Miyuri. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail. On va parler des meilleurs DPS du jeu, classés en fonction du mono-cible ainsi que le multi-cible. Mais avant de parler de la tier list et des modifications qui ont eu lieu, petit aparté, car c'est très important, parce que je suis arrivé à un stade où je suis obligé de me justifier, si vous voulez, en vidéo. Et ce n'est pas normal. Je ne dois pas faire ça, mais on va le faire quand même. Parce que je déteste le conflit. Et que je suis un mec sympa. Hein, voilà. Parce que les gens ne me connaissent pas, en fait, mais je suis un mec sympa. Et je ne suis pas là pour prôner l'élitisme. Cette tier list a été créée avant tout pour aider les gens à progresser, à avancer. C'est tout. Ça, le but de cette tier list n'a jamais été de dire « Voilà, un tel personnage est nul et l'autre est fort. » Suivez mon conseil absolument. Non, c'est pas le cas en fait. Parce que y a des gens qui travaillent, y a de la recherche, il y a des calculs. Donc c'est pas juste de prendre la parole et de dire ah, un tel personnage est meilleur et un tel autre est nul. C'est pas juste ça en fait. Il y a vraiment un travail qui a été effectué et il faut respecter ceci. Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, qui sont capuchés, frérot. Ils travaillent, ils te sortent des calculs, des simulations, des fiches de calcul, et on les oublie souvent. Donc moi, je suis pas ce genre de personne qui va oublier ces gens-là, donc force à eux, vraiment, notamment à Asano, je pense à lui, parce qu'il travaille dans son coin, et il va vous sortir des belles vidéos, donc, mais il n'y a pas que lui, évidemment, il y en a plein d'autres, mais voilà, il y a des personnes qui travaillent réellement pour les tier lists, et croyez-moi, des tier lists, ça peut être utile. C'est juste que, pour certains, vous n'êtes juste pas la cible. Et si vous n'êtes pas la cible, ne dites pas que cela ne sert à rien de juste de cracher votre venin en disant que ça sert à rien, que c'est nul et que c'est pas pertinent. Parce qu'en faisant ça, en fait, vous vous concentrez surtout sur le travail des autres, mais vous oubliez le vôtre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne faites pas ça, c'est juste de la méchanceté gratuite. Une critique constructive, c'est de dire, par exemple, avec des arguments... Ben voilà, Miyuri, je suis pas d'accord avec Lara, par exemple. Je trouve que tu l'as noté trop basse et je te montre mes propos, mes arguments afin de te montrer qu'en fait, tu as tort. Là, on parle d'une critique constructive, vous voyez. Mais dans le cas des détracteurs que j'ai eus récemment et qui m'ont fait comprendre que mon travail ne servait à rien, ben non, ça me plaît pas. Donc voilà, je me justifie maintenant parce que c'est important et comme ça, tout le monde... Tout le monde est clair là-dessus. Cette tier list a été faite pour ma communauté, pour les gens à qui ça intéresse. Et n'oubliez pas ceci, les maths ne mentent jamais. Sur ce, commençons. Du coup, j'ai rajouté deux feuilles dans ma tier list et cela concerne le ranking DPS mono-cible et DPS multi-cible. Car oui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais des calculs ont été effectués entre-temps et c'est tout récent. Et du coup, j'ai rajouté tout ça parce que je trouve que c'est pertinent. Là, on parle de vrais chiffres, vous voyez, des calculs ont été vraiment effectués. Et du coup, on a quelque chose de plus concret qu'auparavant. On va bien sûr survoler le ranking. Le but n'est pas de parler en détail des personnages, ce serait beaucoup trop long. Donc, on va survoler. Mais vous aurez bien sûr le lien en description afin que vous puissiez analyser tout ceci. Alors, du coup... On va aller dans le DPS ranking mono-cible. Alors, déjà, on commence par, bien sûr par les maths, ne mentent jamais, évidemment. Donc, explication du rating. Ce classement est classé en fonction des performances individuelles. Et ça, c'est important. Des personnages. Cette simulation ne reflète en aucun cas la puissance d'un personnage accompagné d'une team. Donc là, on parle d'un personnage qui est maxé et comment il s'en sort s'il se retrouvait solo, d'accord, de par son kit essentiellement. Donc, il a été analysé de cette manière-là. Tous les personnages sont level 80, donc niveau maximal. Tous les traces sont débloqués. Les compétences ulti niveau 10 et l'attaque normale niveau 6. Donc, voilà, il est vraiment maxé. Les personnages free-to-play avec des Eidolons offerts sont pris en compte. On parle ici du main character ainsi que de Erta, qui notamment dispose des Eidolons gratuitement. Tous les autres personnages sont testés en E0 pour une source et tout simplement pour un souci d'équité.
Tous les personnages possèdent leur BIS pour les reliques, donc ils ont vraiment testé le fait avec les meilleures reliques, etc. 5 étoiles évidemment, avec les meilleurs substats, bien sûr, taux crit, dégâts crit, voilà, tout a été pris en compte pour chaque personnage. Tous les personnages utilisent une arme 4 étoiles, encore une fois pour un souci d'équité, donc on oublie les armes 5 étoiles signature, ici ils ont tous la même arme, et la simulation a été faite sous 7 tours. Donc cette simulation a été essentiellement créée, analysée dans les abysses, donc le vrai contenu endgame du jeu, sous 7 cycles. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus pertinent. Donc commençons, et bien sûr ça a été fait par Grimrow, le lien de la source a été mis dans le GDoc, donc si vous voulez checker son travail, merci à lui parce que c'est grâce à ces gens-là qu'on puisse avoir ce genre de calcul. Donc commençons en mode cible, on a bien sûr Célé en tête de liste, Célé qui est véritablement la meilleure DPS mono-cible du jeu, ça y est c'est confirmé, elle est la best dans ce domaine, donc triple S pour elle, méritée. Pourquoi elle est première? Parce que elle reset ses tours, voilà, tout simplement. Elle reset ses tours et du coup, ça la rend trop forte, en fait. Tout simplement. Ensuite, on a une belle surprise et c'est Yanqing qui est second. Alors, je l'ai mis ex aequo. Pour moi, il est ex aequo avec Célé. Vraiment, on a à peine même pas 1% d'écart. Pour moi, il est, c'est amplement mérité pour Yanqing. Très fort. Ça sera l'un des meilleurs DPS mono-cible du jeu. Alors lui, il ne reset pas ses tours, mais par contre, il booste son taux crit à plus de 75% rien qu'avec son kit. Et du coup, si vous lui rajoutez du dégât crit, il devient vraiment un monstre en termes de DPS mono-cible. En plus, il peut geler. Voilà, lui et Célé seront essentiellement les meilleurs DPS mono-cible du jeu. Et là, ça fait plaisir parce qu'on retrouve Souchang qui est dans le top 3. Alors, j'aurais pu la mettre triple S, en effet. Vraiment, j'hésitais. Hein. J'hésitais, mais j'ai préféré la mettre SS parce qu'il ne faut pas abuser. Elle reste très forte. Et pour moi, faut garder ce duo Yanqing, vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle mérite, bien sûr, dans les faits, elle mérite le triple S. Mais voilà, double S pour une question d'équité. Donc, Souchang, très forte. Hein, voilà, l'un des meilleurs DPS 4 étoiles du jeu, si ce n'est le meilleur DPS 4 étoiles monocycle du jeu. Et ça, on le savait dès le début, quand j'ai vu son kit, quand j'ai vu qu'elle tapait fort, notamment lorsqu'un ennemi est en état de faiblesse, de rupture de faiblesse, eh bien elle devient excellente, en fait. Vraiment, c'est une valeur sûre. Donc, si vous avez Souchang, bah, n'hésitez surtout pas à investir dessus. Ensuite, on a Xingguan qui est double S. Et oui, Xingguan qui est un personnage du rôle de l'érudition, donc essentiellement AoE. Et pourtant, regardez, il rivalise avec Souchang. Et mine de rien, moi je vous avais dit, hein, concernant Xingguan, c'est pour ça qu'il est classé très haut dans la tier list, parce que c'est un personnage très fort avec des bons ratios de dégâts. Donc il fait les deux, il fait le multi-cible et en plus il excelle aussi dans le mono-cible. C'est vraiment un très bon personnage. Et concernant Célé et lui pour les bannières lors de la sortie, en vrai il n'y a pas de meilleur choix, les deux sont très bien. Ça va surtout être en termes de chara-design votre préférence essentiellement, ou alors l'élément, parce que c'est vrai que l'élément quantique est à préférer. Parce que voilà, c'est plus rare. Mais dans les faits, oui, Xingguan est excellent. Voilà, vraiment l'un des meilleurs DPS du jeu. Absolument. Ensuite, nous avons Hook, qui est le meilleur DPS mono-cible feu du jeu. Et c'est un 4 étoiles, mesdames et messieurs. Voilà, Hook, qui est excellente. Voilà. Notamment parce que son ulti, lorsque vous allez utiliser son ultime, vous allez renforcer sa compétence et vous allez pouvoir faire de l'AOE avec. Elle dispose du rôle de la destruction, ce qui fait qu'elle a une bonne stat de base, elle a une bonne stat d'attaque, de PV, etc., ce qui la rend très équilibrée. Et oui, elle est très forte. Pour moi, c'est un S mérité. N'hésitez pas à l'utiliser dans les abysses. Vraiment, c'est une valeur sûre. Elle est excellente. Et même pour le multi-cible, vous allez voir, elle peut être aussi jouée pour le farming. Ensuite, nous avons Danheng. Alors, Danheng, bah oui, comme on l'avait pressenti, Danheng est l'un des meilleurs DPS mono-cible du jeu free-to-play. Et surtout que c'est l'un des rares, si ce n'est le seul DPS mono-cible vent du jeu. On aura plus tard, évidemment. Mais pour l'instant, ça sera Danheng. Donc, lui, c'est une valeur sûre. Il faudra investir dessus. N'hésitez pas à le faire, vraiment, il est trop fort. En plus, il combote extrêmement bien avec Welt, parce que Welt va ralentir la vitesse, et vu que Danheng
gagne un boost en dégâts lorsque la cible est ralentie. Et voilà, il fera d'énormes dégâts absolument mérités pour lui. Ensuite, Arlan. Arlan, c'est un peu la surprise. Oui, il a été up. Je l'ai monté d'un cran dans la tier list et c'est amplement mérité. C'est vrai qu'Arlan, son kit est dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il se joue... Voilà, il a besoin de réduire ses PV pour être efficace. Et c'est vrai que c'est dangereux parce qu'au début, bah, les joueurs, ils vont... Voilà, on n'a pas forcément... Des bons artefacts, des bonnes reliques au début. Donc c'est un peu dangereux de jouer parce qu'il peut très vite mourir, voilà, ce genre de choses. C'est très greedy comme personnage. Mais par contre, une fois qu'il est bien entouré, une fois qu'il a une bonne team, il tape fort. Et là, dans son cas, je pense qu'ils l'ont testé lorsqu'il avait des PV assez bas. Et c'est pour ça qu'il a la note de A. Il est très fort, ce n'est pas le meilleur, mais il peut être joué dans les abysses, bien entendu. Ensuite, bah là, Bronya. Alors, Bronya, j'ai halluciné lorsque j'ai vu Bronya. Je me suis dit, mais attends, mais c'est un bug, en fait. Et non, parce que Bronya, elle tape essentiellement via son attaque basique, évidemment, parce que la compétence et l'ulti ne font pas le dégât. Et bah, elle tape, en fait, elle tape. Regardez, elle se rapproche de Arlan. Hein. C'est une aberration. Mais en même temps, Bronya, c'est l'un des meilleurs personnages du jeu. Donc, elle est vraiment crackhead. C'est une aberration, Bronya, qui est très très forte. Très étonné de son classement. Ensuite, nous avons Welt. Alors, Welt, bah, lui, c'est pas sa spécialité, les dégâts. Lui, c'est surtout, il est là pour faire du contrôle, pour ralentir les ennemis. C'est surtout pour ça qu'on va l'utiliser. Donc, lui, son classement dans la tier list n'a pas bougé parce que, bah, on l'utilisera pas pour les dégâts. On le savait. Il n'est pas là pour les dégâts. Il est là pour du contrôle. Mais il peut faire quand même des dégâts. Il s'en sort. Bah, il fait quand même quelques dégâts. C'est pas sa spécialité, mais il est présent. Ensuite, Sampo qui a eu un énorme up. Vous allez voir. Notamment en ce qui concerne le multi-cible. Et Sampo, dans son cas, bah, c'est une valeur sûre. Il est très très fort. Donc c'est un personnage du rôle de la nihilité. Donc il va essentiellement utiliser des dots. Et si vous faites le combo Kafka plus Sampo, eh bien Sampo va augmenter les dégâts des dots, des sources de dots de Kafka, ce qui fait que c'est un excellent combo. Les deux personnages vont de pair ensemble. Bien sûr, Kafka ne sera pas disponible tout de suite, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas dans le classement, parce qu'elle n'est pas disponible. Mais Sampo est une valeur sûre. Pour moi, il est très bon. C'est pas le meilleur, mais on peut le jouer. Ensuite, nous avons Himeko. Bon, Himeko, évidemment, bah, c'est pas sa spécialité, on le savait. Himeko, c'est surtout le multi-cible. Donc voilà, ce n'est pas pertinent de la jouer en mono-cible. Donc d'ailleurs, ça ne sert à rien de la jouer en mono-cible, évidemment. Donc, mais elle peut être jouée, voilà, elle peut faire des dégâts, mais autant prendre Sampo si vous voulez un meilleur personnage pour le monocycle, parce que Sampo, il est excellent en multicycle également. Donc pour moi, Sampo est un meilleur choix qu'Himeko en réalité. Ensuite, nous avons Serval qui est juste en dessous. Et comme vous pouvez le voir, en fait, elle rivalise avec Himeko. Hein. Mine de rien, Serval tape très fort. Et c'est un 4 étoiles. Hein. Donc, encore une fois, c'est excellent. En plus, elle a été testée sans son arme signature. Si vous rajoutez son arme signature, cela va booster son attaque ultime. Et là, ça devient encore plus puissant. Et je pense même avec son arme signature, elle dépasse Himeko sans aucun doute. Donc oui, Serval, incroyable. Très très forte, méritée. Voilà, l'un des meilleurs personnages. Free to play d'ailleurs. Ensuite, nous avons le pionnier physique. Alors lui, gros downgrade. Gros downgrade. D'ailleurs, il a perdu un point, notamment en mono-cible contre les combats de boss. En vrai, bah, pour moi, quand je l'avais testé lors de la bêta, j'avais l'impression qu'il faisait beaucoup de dégâts. Mais en fait, il fait surtout des dégâts multi-cible, vous voyez. C'est pas forcément... C'est pas son rôle de faire des dégâts mono-cible. Donc oui, il est... Il est plus bas, il est C, voilà, c'est parce que voilà, c'est pas sa spécialité, mais on va surtout l'utiliser pour son rôle de la destruction, qui fait qu'il est très équilibré et c'est une valeur sûre, croyez-moi. C'est pas parce qu'il est C dans le mono cible qu'il est nul. Non, il va surtout faire des dégâts multi-cible aussi, donc il fait les deux et c'est vraiment un vrai couteau suisse. Et en dernier, nous avons Erta. On parlera d'après de Clara, parce que Clara, c'est une aberration. Elle, c'est un cas à part. Mais oui, Erta est le pire personnage en mono-cible du jeu, pour moi. Pourquoi ? Parce que ses ratios sont trop faibles. Trop faibles. Elle fait pas assez de dégâts. Et même ses attaques de suivi ne compensent pas le manque de dégâts global du perso. Son kit est bien, essentiellement pour farmer. Donc, je ne la conseille pas du tout pour du Abyss, pour du Endgame. Elle sera là pour farmer et faire de l'AOE, c'est tout.
Mais voilà, dans le cas d'Erta, malheureusement, très gros downgrade d'Erta, hélas. Et ensuite, nous avons Erta. Bah oui, bah Clara. Oula, Clara. Clara qui est God tier. Alors, pourquoi God tier ? Parce que cela dépend de sa RNG, notamment en ce qui concerne les contres. Parce que oui, Clara, si vous avez une RNG favorable, elle devient le meilleur DPS du jeu. Aussi bien mono-cible que multi-cible. Oui, c'est vrai, je vous promets, ce n'est pas des débilités, c'est vrai. Mais par contre, c'est RNG, voilà. Encore une fois, c'est vraiment dans le meilleur des mondes. Hein. En réalité, vous n'allez jamais avoir ce genre de chiffres, ce genre de dégâts, hein, bien sûr. Hein. Cela ne reflète pas la réalité. Clara est très forte, d'ailleurs. Même sans une RNG favorable, elle reste très forte. Mais c'est vrai que, voilà, c'est marrant. J'aurais pu mettre Aberration, j'ai mis Gauthier parce qu'elle mérite. Ensuite, parlons maintenant du multi-cible. Alors, le multi-cible, nous avons Xingguang en tête de liste. Et oui, triple S amplement mérité. C'est pour ça que c'est l'un des meilleurs personnages du jeu. Ben voilà, ben c'est le roi de la OE tout simplement. On le savait, hein, voilà, il met 200 000 quasiment d'écart à Serval. Hein, c'est aberrant. Et là, la surprise, les gars. Serval, seconde meilleur DPS multi-cible du jeu. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, c'est pas vrai. Je suis extrêmement fier et content que Serval a enfin été respecté, mesdames et messieurs, parce que oui, Serval mérite amplement cette place de deuxième, de second meilleur DPS multi-cible du jeu. Pourquoi ? Mais parce qu'elle tape fort, en fait. Elle tape fort, elle permet d'appliquer des dots de foudre, et en plus, bah, elle refile très rapidement son ulti. Vraiment, c'est vraiment un perso qui refile extrêmement vite. Elle regagne vraiment très, très, très rapidement de l'énergie. Et ce qui fait qu'elle peut spammer son ulti, ses compétences. Enfin voilà, elle est très forte et c'est amplement mérité. C'est la reine de l'AOE. Ce n'est plus Himeko qui a été downgrade. Himeko est juste en dessous de Serval. Alors ça, c'est très drôle. Parce que oui, on parle quand même d'un perso 5 étoiles. Hein. Mais bon, j'ai mis SS parce que voilà, dans les faits, c'est pareil. Hein. On parle même pas de 1% ici d'écart. Mais c'est vrai que Himeko a perdu une place parce que bah, Serval est première. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Les calculs ont été faits. On ne peut pas, pas dire le contraire. Donc Himeko, pour moi, mérite un petit up en vrai. C'est un peu le Diluc, vous savez, de Genshin. Elle sera utile au début, mais après, elle se fera très très vite power creep. Hein. Indubitablement, Himeko ne sera pas pertinente sur du long terme. Mais voilà, c'est triste pour elle, mais voilà. Serval est mieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et ensuite, nous avons Sampo. Sampo qui rivalise, bon, pas vraiment avec Himeko, mais quand même, il peut être joué. C'est même l'un des meilleurs DPS multi-cibles du jeu, amplement mérité pour notre petit Sampo. Du coup, il a gagné en points, évidemment. Je le conseille pour farmer. C'est un excellent personnage. Ensuite, nous avons le main caractère physique, qui est S en multi-cible, comme je vous ai dit. Bah oui, il est très fort, il fait le taf, encore une fois, bah oui, c'est mérité, hein, c'est mérité, voilà, il fait les deux, c'est le vrai couteau suisse, donc oui, 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 excellent en multi-cible. Ensuite, nous avons CD, bah oui, pourquoi CD et S-tier en multi-cible ? Eh bien, c'est essentiellement parce qu'elle reset ses tours, du coup, bah, elle peut rejouer et spammer ses compétences et spammer son ulti, enfin voilà, c'est infernal, c'est vraiment le perso... Glass Cannon par excellence, donc c'est pour ça en fait qu'elle est si haute dans le multi-cible. Ensuite nous avons Yanxing. Pourquoi Yanxing est juste en dessous? Parce que bah, c'est quelqu'un qui tape très fort en fait, surtout lorsqu'il crit. C'est un personnage qui tourne autour des crits, et donc évidemment, bah oui, c'est pour ça, hein, il tape fort tout simplement. Voilà, il tape fort, et il peut proc des attaques de glace aussi. Donc voilà pourquoi il est S-tier. Ensuite nous avons Souchang, parce que oui, Souchang, bah, elle tape fort, hein, comme Yanxing, elle tape fort, donc oui, amplement mérité pour Souchang. Elle fait le taf en multi-cible aussi. C'est pas sa spécialité, mais vous voyez, les chiffres sont là, elle tape très fort. Ensuite, juste en dessous, nous avons Hook, qui est, eh bien, oui, au-dessus d'Erta. Eh oui, les gars, Erta ne s'est pas respecté, mais c'est les chiffres. Encore une fois, on peut pas débattre là-dessus, hein. C'est comme ça, on peut pas réellement faire grand-chose. Mais oui, Hook, comme je vous ai dit, Hook peut faire de la OE grâce à l'amélioration de son ultime qui va renforcer plutôt sa compétence et qui, du coup, va spread
les dégâts sur les ennemis aux alentours. Et du coup, ben voilà pourquoi Hook est au-dessus, parce qu'elle, elle dispose de vrais ratios de dégâts, vous voyez. Elle peut infliger de la brûlure aussi. Enfin voilà, c'est pour ça qu'elle est au-dessus, en fait. Et là, Erta, ben oui, Erta, encore une fois, pourquoi elle est... alors, c'est pas nul, hein, c'est A-tier, hein, encore une fois. Hein. A-tier, ça, c'est un T2, si vous voulez, c'est un T2. T2, ça veut dire que c'est un bon personnage. Elle n'est pas méta dans ce qu'elle fait, mais ça reste un bon personnage. Mais oui, Erta, dans les faits, c'est le plus gros downgrade de cette tier list, malheureusement. Elle a perdu en dégâts. Ses attaques ne suffisent pas en l'état pour être dans le top du podium, malheureusement pour elle. Voilà. Ensuite, nous avons Arlan, juste en dessous. Vous voyez la différence, hein, Arlan qui rivalise avec Erta, alors que c'est même pas son rôle de base, les AOE. Enfin, c'est une dinguerie. Arlan, voilà, qui fait le taf, hein, qui fait des bons dégâts, donc forcément... Ben, Il peut servir de farmer, même si c'est pas sa spécialité. Ensuite, nous avons Welt. Welt, pareil. Bah, Welt, c'est pas sa spécialité. Mais voilà, il peut faire le taf. Voilà. Alors, je le conseille pas, évidemment, pour farmer. Hein, c'est pas son rôle. Hein, mais voilà. Il peut ralentir les ennemis. Il peut être utile, quoi. Ensuite, nous avons Danheng, qui est l'un des pires à farmer. Parce que, bah, en même temps, c'est pas son rôle. Bon, on va pas lui en vouloir. C'est comme Arlan. C'est pas son rôle de base. Donc lui, on va essentiellement le prendre pour nos monocibles, pardon. Et du coup, on va l'écarter un peu pour du farming, c'est pas son but. Et en dernier, nous avons Bronya. Bah oui, parce que bah, Bronya ne dispose que de l'attaque de base, donc l'auto-attaque. Et donc évidemment, ce n'est pas pertinent ici, c'est pour ça qu'elle est dernière. Mais voilà, elle tape quand même hein, la Bronya. Et ensuite, nous avons Clara, évidemment, qui est une aberration. Hein. D'ailleurs, on devrait la surnommer Saitama. D'ailleurs, j'ai un exemple avec Clara. Vous savez, dans DBZ, lorsque Piccolo et Goku enlèvent leurs vêtements et qu'il y a 1000 kilos qui tombent là, par terre, sur le sol. Et bien, Clara, c'est pareil, en fait, parce qu'elle n'a pas de chaussures. Et à votre avis, pourquoi elle n'a pas de chaussures? Parce qu'en fait, lorsqu'elle les a enlevées, elle a libéré son potentiel. Elle devient Saitama. Et c'est pour ça qu'elle est forte. Non, je rigole, évidemment. Je rigole, mais... Ça me fume de rire, parce que... Alors, petite dédicace, évidemment, à Izulu. Izulu qui va trouver ça très drôle. Le fait qu'elle soit la meilleure DPS multi-cible et mono-cible. Mais dans les faits, c'est vrai, parce que si vous avez une RNG favorable, elle devient un monstre incontrôlable. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. On a beaucoup parlé, on a survolé. Vous voyez, hein, même en survolant, ça, y a quand même... l'heure tourne. Hein. Mais voilà, dans les faits, le classement mono-cible et multi-cible. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, ici, il y a eu la mage avec, évidemment... Yanchi qui a été buff, Arlan qui a été buff, Welt qui a reçu un ajustement, Himeko, un petit nerf, Sampo, un gros buff, Serval, un énorme buff, Erta, un énorme downgrade, malheureusement, Sushang, un petit buff, et Hook, un petit buff, voilà. Et donc ceci, bien sûr, ça reste une pré-release, on va remodifier tout ça après la sortie, évidemment, mais du coup, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que pour vous c'est pertinent, est-ce que vous aimez cette tier list classée par contenu? Moi, je trouve ça que c'est cool, voilà, je trouve que c'est cool, et puis au moins, du coup, avec les calculs, là, le ranking que nous disposons maintenant, enfin, on peut s'apercevoir bah, qui brille dans tel contenu mono-cible et tel contenu multi-cible, vous voyez, donc on peut vraiment se mettre une idée beaucoup plus claire qu'auparavant, voilà. Donc, si vous aimez mon travail, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner déjà, premièrement, parce que ça m'aide pour le référencement, et puis ça aide la chaîne à grandir, à mettre un petit pouce bleu, évidemment, pour le référencement, ça c'est la base, et je veux vraiment beaucoup de pouces bleus, parce que bah, c'est important, hein. Il n'y a pas que les vues, hein, il y a les pouces bleus, et un petit commentaire, bah, dites-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez de ce classement, et puis voilà, on se dit à la prochaine, c'était Miyori, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, demain, petite pub, hein, mais c'est important, demain, je ferai un gros live dès 7h du matin sur Blue Protocol. Donc, il y aura une grosse présentation du jeu, pardon, avec un focus essentiellement fait sur le gameplay, ainsi que il y aura des questions-réponses, évidemment, il y aura des guides vidéo, il y aura une rediffusion sur mon YouTube. Voilà, pour ceux à qui ça intéresse, Blue Protocol, demain, un énorme focus sur le jeu de Bandai Namco. Voilà, je vous laisse ici, et puis bah, à la prochaine.